Enchanté, c'est Aman. Bienvenue dans cette Air News numéro je ne sais pas combien. Voilà, on verra, je sais pas. Bon bah, c'est le numéro 5. Aujourd'hui, on va parler chiffres, parce que oui, on a dépassé les 100 000. Mais alors, les 100 000 quoi? On va aussi partir en Algérie. Oui, oui, vous avez bien entendu. On va aller aussi du côté de Saint-Lô, dans le nord de la France. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans cette Air News et la bienvenue sur Airman.fr. Alors oui, on a franchi la barre des 100 000. Alors pas des 100 000 abonnés, on en est encore loin, mais on a franchi la barre des 100 000 vues. Voilà. Et comme j'espérais franchir la barre des 500 abonnés avant la fin de l'année, pour vous proposer un bon petit concours, et que bah on n'a pas atteint ce palier, je me dis la barre des 100 000 vues sur la chaîne, et bah ça peut être un bon prétexte pour vous proposer un concours. Donc et bah, il va y avoir un concours. Voilà, je vous annonce aujourd'hui qu'il va y avoir un concours pour fêter ces 100 000 vues. Alors bah, c'est comme les autres concours. Je vais vous mettre la liste des cadeaux à gagner dans la description. Et du coup, eh bien, la liste des cadeaux à gagner va être amputée de la figurine Animal Crossing. C'était la figurine Max et jeu... où j'ai perdu. Je crois que c'est Battlefield. C'est Battlefield sur PS3 qui a du coup été remporté par Clarisse Lejeune et Clarisse Lejeune qui habite Saint-Lô. Voilà, donc je lui ai envoyé le jeu, devrait le recevoir prochainement, peut-être avant Noël, hein, ça dépendra des grèves. Voilà, et puis la petite figurine Amiibo, pardon, de Max, et bien elle, par contre, et bien elle est partie en Algérie. Donc, dans le petit village de Mesloub, si je ne me trompe pas, dans la province de Mekla, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, en Algérie, et ça se situe dans le sud de l'Algérie. Je crois que c'est en Kabylie, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, le colis est parti là-bas. Alors, bon, un petit tarif quand même pour l'envoyer. Mais c'est pas grave, voilà, c'est les aléas d'organiser ce genre de concours et de l'ouvrir à tout le monde. Et voilà, ça me dérange pas, ça fait plaisir et c'est le principal. Je ferai peut-être l'ouverture d'un uTip si vous avez envie de soutenir la chaîne, pardon. Comme ça, bah, ça m'évitera de piocher dans mes économies pour pouvoir envoyer les colis. Tout ce qui est lot, etc., hein, c'est comme je vous le dis à chaque fois, bah, des doubles que j'ai. Et du coup que je me sépare, voilà, pour promouvoir la chaîne, ça fait des cadeaux à gagner et c'est cool. Mais du coup, par contre, tout ce qui est envoi, frais de port, bah, du coup, si je pouvais m'en décharger, voilà, en vous proposant un moyen comme uTip, vu que pour l'instant, je ne peux pas monétiser la chaîne, bah, du coup, ça me permettrait de financer une partie des frais d'envoi lors des concours. Ça pourrait être sympa, donc je pense que je vais le faire et ouais, ça sera peut-être déjà fait pour cette vidéo. Et donc là, eh bien, le colis est parti à Saint-Lô et l'autre est parti à Mesloub en Algérie. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a un truc qui est un peu frustrant et que j'aimerais bien faire. Quand j'aurai des milliers ou des millions d'abonnés, bah, c'est directement aller le livrer. Ça serait vraiment top. C'est vraiment un truc que j'adorerais faire quand j'organiserai des concours à l'avenir. Si y a moyen d'aller directement chez la personne, de lui livrer et puis de découvrir un nouveau pays, faire 10 vidéos comme ça sur un petit road trip, je pense que ça peut intéresser énormément de monde. En tout cas, moi, ça m'intéresserait énormément, découvrir de nouvelles cultures, etc. Voilà, si je suis amené en tout cas eh bien, à avoir beaucoup plus d'abonnés, eh bien, je ferai ce genre de choses parce que c'est vachement enrichissant et c'est surtout très intéressant. Et là, en plus, bah, c'est vachement plus personnel parce que c'est directement des abonnés qui remportent des concours, etc. Donc voilà, ça peut être super cool et c'est vrai que c'est une idée qui me trotte dans la tête. Donc le jour où je pourrais faire ça, eh ben, je le ferai. Ça, c'est sûr et certain. Alors, cette vidéo est franchement pas préparée du tout. C'est très spontané et bah, je voudrais vous souhaiter bien de bonnes fêtes de fin d'année, voilà. Et puis donc un joyeux Noël, un bon réveillon, même si vous n'avez rien pour Noël, bah, c'est pas grave, hein. L'important c'est que vous soyez en vie et en bonne santé. Et puis si vous n'êtes pas en bonne santé, bah, c'est pas grave non plus.
La vie est belle, et puis même si elle est moche, bah, dites-vous qu'elle est belle quand même, ça vous aidera à passer de bonnes fêtes. Et voilà, restez positif, ça c'est le plus important, hein. Toujours voir les bonnes choses, ne pas oublier le mauvais, on est d'accord, parce que les choses mauvaises, bah, elles sont là, elles sont présentes, donc n'oubliez pas le mauvais, mais ne vous laissez pas avoir par ça. Je sais, c'est très 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 facile de donner des leçons, mais essayez, ça ne coûte rien, ça ne peut que vous rendre service. Et je sais que voilà, il y a pas mal de personnes pendant ces périodes de fête et bah qui sont pas forcément voilà, hyper heureuses parce que ça rappelle des mauvais souvenirs, parce qu'elles trouvent ça chiant, parce que voilà, c'est un peu. Voilà, pour certaines personnes, les fêtes de fin d'année, c'est un peu triste. Et je peux les comprendre, franchement, c'est pas. Voilà. À force, moi, plus je vieillis. Les fêtes de Noël, ça me gonfle un petit peu. Donc si vous aussi, ça vous gonfle un petit peu, eh bien, bah, passez quand même de bonnes fêtes de fin d'année. Amusez-vous, hein, ne changez pas vos habitudes si vous n'avez pas envie de les changer. Et puis voilà, profitez bien en tout cas. Une nouvelle année s'annonce. Et ça, c'est cool. Je sais pas si je ferai une vidéo pour la bonne année. Sûrement, c'est possible. En tout cas, voilà, merci d'être abonné à la chaîne, merci de faire partie de mes téléspectateurs. Et puis voilà, hein, rien à dire de plus, je pense que c'est suffisant. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, en tout cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à participer au concours, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et puis voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et gardez bien à l'esprit que dans la vie, vos seules limites, ce sont vos idées. Et moi, je vous dis à bientôt.